Salut, c'est Lala. Alors, je vous fais aujourd'hui le dévoilement des Flexi Rods. J'ai passé une nuit très, très désagréable, laissez-moi vous dire. Oh, c'était tellement inconfortable dormir avec ça. Mais si je regarde le résultat, est-ce que ça a valu la peine de mal dormir? Ouais, je pense que oui. Donc c'est ça, comme je vous disais, il y en a plusieurs que j'ai enlevés pendant la nuit parce que c'était tellement inconfortable. Ben, en fait, c'est pas si pire que ça. C'est faisable, je veux dire, on peut dormir avec, mais c'est juste que moi, mon sommeil, il est vraiment essentiel. Il faut que je dorme bien. Donc, c'est pour ça que j'ai souffert comme ça cette nuit. J'aime ça bien dormir. Donc, c'est un petit sacrifice à faire. C'est-à-dire dormir avec quelque chose d'inconfortable. Mais si vous avez des gros oreillers, ça devrait passer. Mais dans mon cas, à moi, peu importe la grosseur, la taille des oreillers, je pense pas que ça aurait fait. Oh boy. Voilà le petit dernier. Donc ça donne ça. Je vais me rapprocher un peu. Donc je vous rappelle ce que j'ai fait après un lavage de cheveux. J'ai mis un peu de gel éco et j'ai roulé les Flexi Rods. J'ai dormi avec, je les ai enlevés et voilà le résultat final. Donc, on pourrait rester comme ça si vous le désirez. Vous pouvez rester comme ça, mais personnellement, non, je ne resterai pas comme ça. Donc, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut les détacher un peu pour donner un petit peu plus de volume ou bien pour jouer avec un peu. Dans mon cas, moi, je pense que je vais laisser comme ça parce que je vais les garder... quelques jours pendant la semaine. Donc on peut mettre des pinces aussi, jouer avec des petites pinces, des petites bobby pins sur le côté, je vais vous montrer. Ah, ces petites pinces là, ces petites bobby pins comme ça, on peut venir jouer avec un peu sur le côté comme ça. Vous voyez? Donc de chaque côté, on peut venir attacher un peu. Voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. Et ça pourrait donner ceci. C'est pas mal. Mais, très rapide, je viens vous le montrer comme ça rapidement. Mais moi, personnellement, ça me prend un peu plus de temps pour jouer avec, le fixer, l'arranger mieux. Modifier, jouer avec le look un peu plus. Puis comme ça, d'un coup que je suis satisfaite, ben à ce moment-là, ça va être le résultat final. Mais pour le moment, pour vous le montrer, qu'est-ce que ça fait les Flexi Rods au niveau de la texture, au niveau de la définition. Voilà, c'est ça que ça donne. C'est bien, j'aime ça. Alors, je prendrai des photos, puis je viendrai vous montrer dans le fond qu'est-ce que ça donne à travers les photos, un petit montage que je ferai peut-être là-dessus. Peut-être si j'ai le temps. Mais pour vous, ouais, je vais avoir le temps. OK, salut!